Hello à toutes et tous, bienvenue dans ce nouvel épisode consacré à Wolsen. Ça y est, on a terminé le jeu, hein. On est en train de tâter du endgame. Pour le moment, je suis niveau 60, je m'amuse assez bien, hein. Donc on va voir un petit peu ce qu'on peut faire une fois qu'on a terminé le jeu. Donc quand on finit le jeu, on débloque le mode champion, hein. Donc c'est un espèce voilà, de mode aventure, hein, comme il y avait un petit peu sur Diablo, sauf qu'on ne peut pas refaire les anciennes zones du jeu actuellement. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Ben voilà, on se retrouve 6 mois après au niveau du mode histoire, hein, 6 mois après la fin du jeu, où on doit un peu reconstruire la ville. Et donc ce qu'on va devoir faire, c'est améliorer certains aspects justement de cette ville. Hein. Par exemple, voilà, si j'améliore ici le refuge, je vais recevoir un boost permanent de découverte d'or. Alors ça demande de la ressource, hein, c'est quand même. Ça va demander énormément, énormément de farming, tout ça. Ici, voilà, si je débloque ceci par exemple, ben, on reçoit un boost permanent de découverte magique. Donc ici, voilà, il faut 1 million 24 000, je ne sais plus exactement le terme, mais voilà, et 100 000 de bonus de productivité, ce qui est quand même énorme. Donc, ce qui veut dire qu'il va falloir farmer énormément. Alors, ce qu'on débloque aussi dans le jeu, je vais. Là, hop, on va mettre ça ici, comme ça je vous montre, je vais vous montrer. Donc on a la carte des expéditions, hein, où on doit sélectionner au départ un niveau. Voilà, moi j'ai commencé au niveau 43. On ajoute des modificateurs, hein, justement pour rendre la map plus difficile, et ceux-ci vont augmenter. Ben, les découvertes magiques vont augmenter la quantité d'objets trouvés, la productivité, et ça c'est quand même pas mal du tout. Et on peut ajouter jusqu'à 4 affixes. Donc c'est vraiment pas mal. Et ça permet vraiment de voilà, d'avoir des zones. Je quitte. Voilà, ça permet vraiment d'avoir des zones avec des modifications assez cool. Par contre, le truc, c'est que voilà, on choisit parmi. Voilà, si je veux ajouter un modificateur, j'ai le choix entre 3. Ouais, je trouve qu'il aurait été plus intéressant comment qu'il nous soit quelque part imposé plutôt que de les choisir soi-même, parce que finalement on choisit tout le temps les mêmes. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est ajouter des espèces de petites cartes. Hein. Donc voilà, accès à un donjon avec un plus grand nombre de coffres, par exemple, pour pouvoir avoir du loot en plus. Mais il y a aussi voilà, des maps qui vont, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, ici c'est accès à un donjon gardé par un boss. Ici accès à un donjon avec un plus grand nom, plus grande population de présages d'opulence, donc c'est pas mal aussi. Et accès à un donjon avec une plus grande population, c'est la même chose. Et ici un boss et des puissants alliés à buter. Donc voilà, ça c'est quand même pas mal aussi. Et alors on a ce qu'on a tout simplement des petites failles. Hein. On va aller en faire une petite, comme ça je vous montre un petit peu. Voilà, hop, un portail s'active et on doit tuer ici par exemple tous les ennemis de la zone. Mais ça peut varier, hein. Il peut y avoir des missions un peu différentes. Voilà, donc ça c'est cool. Oui, les maps sont assez jolies, hein, même. Voilà, hop. Allez, on démonte tout ce joli petit monde. Ouhou. Ah. J'ai débloqué quelque chose. Ah non, je pensais. Allez, on y va. On active. Hein. Donc ici, je m'amuse assez bien avec, avec cette classe. Hein. Clairement, elle fait le taf. Hein. Et elle fait max dégâts aussi. Hein. Je me suis fait un petit build des familles bien sympa que je vous présenterai. Hein. Qui déchire vraiment pas mal. Mais il manque encore quelques points. Pour qu'il soit vraiment parfait, donc mais on fait max dégâts. Ah, voilà une améthyste, c'est plutôt cool. On fait quand même max dégâts et ça c'est plutôt sympa. Donc, vous voyez, la jauge augmente une fois qu'on aura tué tous les ennemis. Un portail va s'ouvrir et on va obtenir une récompense. Voilà, allez, on démonte tout le monde. Voilà, ces petits orbes qui nous permettent voilà, d'obtenir la forme apocalyptique. Hein. Ce qui est plutôt cool, ces formes, ça ajoute un petit côté stratégique sympa. Pour le moment, je m'en sers pas trop, je vous avoue. Mais j'imagine que des failles vraiment de très haut niveau, avec masse difficulté, il va falloir vraiment y aller à fond avec ça. En tout cas, ce sera vachement plus utilisé que ce que je ne fais maintenant.
Oui, si, clairement, j'ouvre un peu trop de vite. Enfin, je défonce carrément les ennemis. Bon, c'est qu'une faille de niveau 60 aussi, hein, donc... Quand je vais tester un petit peu les failles supérieures, voir ce que ça va donner. Un coffre maudit. Voilà. Ah. Allez. Donc là aussi, hein, c'est un peu comme Diablo, une fois qu'on a tué tous les ennemis, un coffre s'ouvre. Ah ben voilà, hop, ça on prend. Ça nous fait de la monnaie. Donc les maps sont un petit peu plus sympas, je trouve. Un petit peu plus, entre guillemets, ouvertes dans ce mode de jeu que ça ne pouvait l'être durant le mode histoire. Allez, hop. Ah, ça je prends. Allez, on va bientôt avoir vidé la map. Ah, je vais y crever là. Allez, des ennemis. Hop, ça prend. Allez, allez, il me faut des ennemis, moi, ici. Bon, on va aller voir par là. Le boubou. Ah, mais il y a encore pas mal de bugs hein, au niveau du jeu, clairement, mais je ferai une vidéo un petit peu préavis sur le titre avant d'en faire une vidéo avis définitif. Quoique j'ai quand même bien dosé les jeux déjà, donc mais je vais vraiment attendre et tester certaines choses. Allez, voilà, vous voyez, on a, ça y est, on a obtenu notre objectif, un portail s'est ouvert, on retourne en ville, voilà, hop, on va voir le PNJ, et on obtient une récompense, ici de l'or, et un objet que je peux choisir, hein, voilà, donc ça. Alors, au niveau aussi de la personnalisation, il y a un truc qui s'est ajouté, hein, c'est... Là qu'on a pu débloquer ici, c'est dupliquer une compétence. Alors à quoi ça sert? Ça veut dire que vous pouvez mettre deux fois la même compétence dans votre barre d'action seulement avec des modificateurs différents. Ce qui peut certainement mettre des... Enfin en tout cas, en tout cas il y a la possibilité d'avoir des synergies en plus entre les différents sorts. J'ai pas vraiment testé ça encore, hein, mais j'ai pas l'impression que ça peut... changer grand chose, peut-être certains sorts qu'on pourrait peut-être avoir en perma justement avec ce système qui rendrait peut-être le jeu un peu trop cheaté à certains moments, voilà, mais en tout cas il y a encore du gros travail d'équilibrage à faire sur ce titre sur certains aspects, donc ça ce sera vraiment des choses qu'il faudra faire et que les développeurs devront voilà, s'y atteler, hein, ça c'est sûr. Voilà, donc moi ici je suis toujours... Voilà. Donc ici, c'est en train, voilà, de travailler au niveau du projet. Hein. Mais vous voyez, tant que j'obtienne les 5000, ça va me faire du boulot. Donc je vais devoir enchaîner les failles. Mais on va faire, voilà, ce genre de faille expédition. Hein, donc voilà. Pour le moment, je peux aller que jusqu'au niveau 67. Donc une fois qu'on rentre dans une faille, en fait, ce qui se passe, c'est que à la fin... vous avoir deux portails qui vont s'ouvrir, un portail qui vous ramène à la ville et un portail qui vous permet de faire de continuer la faille mais au niveau 68. Vous pouvez le faire jusque 3 fois et donc une fois que c'est fait, vous débloquez l'accès aux failles supérieures. Donc ici ce sera 70. Et ça c'est plutôt cool hein, clairement. Donc je sais pas jusqu'où ça va. J'avais lu 100, 150 je crois. Donc on va voir un petit peu ce que ça va donner, mais ça permet vraiment de, voilà, d'avoir des choses super intéressantes.
Voilà, bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette petite vidéo. Hein, donc, endgame correct hein, pour un jeu lancé, en tout cas, des jeux comme Diablo ou Path of Exile n'avaient pas ce genre de endgame à la sortie. Et donc, ici, avoir ça, c'est plutôt cool. Mais bon, il était urgent qu'ils le sortent, le jeu, vu l'annonce de PO2 et de Diablo 4. Hein, je crois qu'ils n'avaient pas trop le choix. Même si je pense que le jeu aurait mérité, en tout cas, clairement, quelques mois de plus de développement. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Vous pouvez laisser un petit commentaire, un petit like, abonnez-vous à la chaîne et n'oubliez pas, achetez des jeux, jouez à max, éclatez-vous. Et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos consacrées à Wolsen. Salut à toutes et tous!